Je me parle de Fils et Spirit Sancti. Bientôt, il va parler de lui. Il est qu'à mes dieux, il est chien de grâce à bien le Dieu de l'Ensancta, avoir mené les coups de l'Ose et le Bémé. Et mis de l'Ucien, tu as mis de vérité, tu as mis sa bénédiction, tu as mis la luxure du monde, tu as mis sa bénédiction, tu as mis la bénédiction, tu as Confidez-moi en l'immunité de la Théose des Gusmus, ce qui va être tissable et mercoire dans tout le basse. Gloria Padre, Filio et Spirito et Sancto. Un tour libre à Padre et Dei. Verso il nostro mille amore, Domini. Confidez-moi en l'immunité de la Théose des Gusmus, 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 la Amen. Beaucoup de mes saints ont donné le cœur de l'observer le miracle de l'Esprit. L'Esprit Saint est considéré comme le corps de l'homme comme le temple de son Dieu. A tes domaines, les temples et les manières, nous nous sommes aux yeux de ton fils et de la personne. Gloria à Père, Fils et Esprit de Saint, comme ce que tu as pu dire que nous sommes les saints et comme ce que nous avons dit. Beaucoup de mes saints ont donné le cœur de l'observer le miracle de l'Esprit. L'Esprit Saint est considéré comme le corps de l'homme comme le temple de son Dieu. Kyrie eleison. Dominus vobiscum. Oremus. Quesus omnipotens Deus vota hominium respice, atque ad defensionem nostram dexteram tuae majestatis extendit. Perdona nostri miei scusi al figlio tuo, di te convivere, di una tata e spirito sancti Deus, per ogni assicura, assicura l'ombra. Amen. Lex artistine, beati, poli, apostoli, difesios. Frates, estote imitatores Dei, sicut fili carissimi, et ambulate in dilectione, sicut et Christus dilexit nos, et talet in seme tipsum pro nobis oblationem, et ostiam Deo in odorem suavitatis. Fornicatio autem et omnes immunditia aut agaritia nec nominetur in vobis, sicut decet sanctos. Aut turpitudo, aut stultiloquium, aut scurrilitas, que est et non petinet, sed magis gratiam actium.
Hoc enim citote intelligentes quod omnis fornicator aut immundus, aut avarus, quod est idolorum servitus, non habet hereditatem regno Christi et Dei. Nemo vos seducat in animus verbis. Non per ec enim venit ira Dei in filios diffidentiae. Nolite ergo efficii participes eorum. Erates enim aliquando tenebre, erates enim aliquando nunc autem lux in domino, ut filii lucis ambulante. Fructus enim lucis est in omni bonitate et justitia et veritate. Exsulge Domine non prevaliat homo, judicentur gentes in prospectu tuo, in convertendo inimicum meum retorsum, et firmabuntur et peribunt a facie tua. A te levavi oclos meus qui habitas in celis, et ce sicut duple servorum in manibus dominorum suorum, et sicut oculi acinere in manibus domine sue, ita oculi nostra dominum Deum nostrum, donec miseriatur nostri. Miserere nostre nobis, Domine, miserere nobis. Dominus vobiscum. Et in spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. In illo tempore erat Iesus eiciens demonium, et ulet erat mutum. Et cum ei eicisset demonium, locutus est mutus, ut admirate sunt urbe. Quidam autem ex eis dixerunt, in Beelzebub principe demoniorum eicit demonia. Et alii tentantes sinum de celo queremant apeo. Ipse autem et ut vidit in cogitationes eo, dixit eis, omne regnum in se ipsum divisum desolabitur, et domus supra domum cadet. Si autem et Satanas in se ipsum divisus est, commodo stabit regnum eius. Quis dicitis in Beelzebub me eici demonia? Si altem ego in Beelzebub eicio demonia, filii vesti in quo eiciunt. Idio ipsi judices vesti erunt. Poro, si ingit tu Deo eicio demonia, perfecto pervenit in vos regnum Dei. Cum fortis armatus custodit atrium suum, in pace sunt eaque possidet. Si autem fortio eo superviens vicerit eum, universa arma eus offeret in quibus confidebat, et spolia eus distribuet. Qui non est mecum contra me est, et qui non corrigit mecum dispergit. Cum immundus spiritus exierit de homine, ambula per loca ina cosa querens requiem, et non inveniens dicit, e vetar in homo meam unde exibi. Et cum venerit, invenit eam scopis mundatam et ornatam. Tum valit et atsumit septenario spiritus sinigum medicioresse, et ingressi abitantibi. Et fiunt novissima omnes ilius peiora prioribus. Factum est autem cum ecce diceret, extolens vocem queda mulire turba dixit ili, Beatus venter qui te potabit et tubra qui subsisti. Atile dixit, finimo beati qui odiunt tempum Dei et custodiunt illus. Je veux dire, c'est bon, d'avoir quelques annonces, je veux dire, troisième dimanche du carême,
Les messes en semaine sont de la féerie, troisième place. Et il y a des commémorations, par exemple le vendredi de Saint-Patrick, évêque confesseur, apôtre de l'Irlande, et patron de l'Irlande. En certains lieux, les cinq plaies de Notre Seigneur. Et dimanche prochain, le quatrième dimanche du carême, le carême dit les tarés. Donc c'est 10 carèmes déjà. C'est le 19 mars, mais, donc c'est la fête de Saint-Joseph, mais puisque la fête de Joseph tombe à dimanche, et Saint-Joseph cède à Notre Seigneur, parce que le dimanche appartient à Notre Seigneur et à la Sainte Trinité, la fête de Joseph est repoussée parce qu'elle est trop importante, donc elle est quand même fêtée, mais le jour après, le lundi, le 20, qui est patron, Saint-Joseph patron de la Belgique, du Canada, du Mexique, du Carmel, et patron de l'Église, de la bonne mort, etc. Donc l'éducation, la vie intérieure. Un grand saint donc, auquel nous devons tous une dévotion minimale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. J'ai déjà fait un sermon ce matin, mais je vais peut-être résumer, puis faire un résumé ce soir. Donc Jésus chasse un démon muet. Ça veut dire que le démon peut être la cause d'une maladie. Donc il a chassé le démon et la personne est pas. Deuxième point qu'on peut tirer de l'évangile d'aujourd'hui, c'est que Jésus répond à la scandaleuse accusation qu'il chasse les démons au nom d'un autre démon plus haut, plus fort, Belzébuth. C'est un des plus hauts démons, n'est-ce pas, dans l'enfer, parce qu'il y a une hiérarchie dans l'enfer, comme il y a une hiérarchie dans le ciel. Ceux qui étaient plus hauts, n'est-ce pas, criaient plus haut avec plus de capacité, d'intelligence et de volonté, sont tombés plus bas, ils sont plus forts, ils terrorisent les autres. Donc, c'est scandaleux. Dieu même, Jésus-Christ, en Dieu en personne, littéralement, c'est la personne divine qui est là, n'est-ce pas, de l'accuser d'être le démon, n'est-ce pas, c'est tout à fait le contraire, infiniment le contraire. C'est par jalousie, par aveuglement, délibéré, parce qu'il a prouvé assez, n'est-ce pas, d'être Dieu par tous ses miracles. Mais pour pas, donc, ces personnes qui disent ça ou pensent ça sont quasiment invertissibles, pas à convertir. Il ne faut pas jeter les perles pour les pourceaux, mais quand même, Jésus va répondre pour la foule qui est autour, des personnes de bonne volonté qui pourraient être scandalisées par cela, qui ne pourraient pas avoir des réponses. Parce que c'est vrai que moi-même, j'ai expérimenté, j'ai vu que parfois, donc il y a des personnes qui sont embêtées, qui sont attaquées, qui sont infestées par le démon, et parfois possédées, qu'ils vont chercher, normalement il faut chercher un prêtre, un évêque qui a reçu le pouvoir divin pour chasser. Parce que Dieu est plus fort que le démon, c'est le seul qui est plus fort que le démon, c'est Dieu. Alors ils vont, parce qu'il faut se convertir, on en parlera tout de suite, quand Jésus dit que le démon facile de rentrer, de retourner, il faut que quelqu'un de plus fort soit dedans pour l'arrêter, et c'est Dieu seul, donc l'Esprit Saint, donc l'état de grâce. Donc, si un prêtre chasse, il fait ça convenablement, il exige que la personne se mette en état de grâce. Donc, elle se convertisse. Convertisse, si elle n'est pas convertie, la plupart du temps, les gens ne sont pas en ordre. Sur plusieurs points, c'est souvent des points de grave, donc de péché mortel, n'est-ce pas? Même s'ils ne se rendent pas compte, mais le démon se rend compte. Alors, ça donne quand même un pied à terre du démon. Donc il faut en finir, donc on ne peut pas accepter une personne à la bonne communion qui fait des péchés mortels. Et il faut enseigner, on ne peut pas laisser la personne dans l'ignorance.
allez enseigner, faites garder mes commandements. Donc c'est un commandement, le prêtre ne peut pas laisser les gens en ignorance. Il doit les expliquer, ce qu'ils font du bien, de mal, et les gens vont accepter, c'est comme ça qu'ils vont mériter le ciel. Mais il y a des personnes qui vont donc, pour éviter ça, pour, parce qu'ils ne veulent pas se convertir, ils sont attachés à leur vie, n'est-ce pas, leur train-train pécamineux, ils vont voir des personnes qui chassent les démons pour de l'argent, n'est-ce pas, voilà. Des marabouts, des gens qui finalement chassent les mauvais esprits par d'autres esprits, mais par le diable. Donc ça peut exister qu'on peut chasser le diable par le diable. Mais c'est une tactique passagère, c'est pas définitif, c'est un piège. C'est pour, installer finalement un démon plus fort et qui va agir plus tard. On laisse la personne, pour la piéger, elle va continuer cette pratique que le sorcier, n'est-ce pas, conseille, parce qu'elle se sent délivrée de ce démon-là. Mais petit à petit, elle va tomber dans d'autres plus grands problèmes, d'autres genres, parce que finalement, ils ont chassé un diable par un autre. C'est une tactique, c'est une entente. Toi, tu te casses, et moi, je mets la place et je vais te travailler d'une autre façon. Voilà. C'est une tactique encore. Mais ça, c'est par lequel on se lance ces écrits, parce que Jésus a passé 3 ans de vie publique, et on connaît l'arbre à ses fruits lui-même. Il faut mettre cet évangile en connexion avec d'autres évangiles. Bien sûr, ça fait un tout. Il dit, on connaît l'arbre à ses fruits. Donc si vraiment le démon est vraiment chassé par Dieu, définitivement, radicalement, totalement, alors à ce moment-là, il va pas, la personne est bien, elle ne va pas avoir des problèmes après, sauf si elle tombe dans le péché. Ça, Jésus-Christ va dire. Mais si elle ne tombe pas dans le péché, il va dire, et maintenant ne pêche plus pour qu'il ne vous arrive pas pire. Il l'a averti. Mais si la personne fait convenablement son devoir, il reste en état de grâce, le démon ne peut plus revenir, parce que Jésus le dit, il va essayer de revenir, mais s'il trouve un plus fort parmi, s'il trouve la maison vide, bien sûr, il va venir avec 7 autres, ça va être pire qu'avant. Donc c'est pour ça qu'un bon exorciste ne exorcise jamais avant de mettre la personne en état de grâce, et que la personne promet ne plus faire aucun péché mortel. Donc c'est une conversion totale, ou sinon c'est rien. Un des deux. Si la personne veut continuer à pécher, elle est finalement amie avec les démons. Comment chasser quelqu'un qui, si vous êtes ami, vous l'invitez par les péchés mortels, ensuite on chasse par des pratiques, il va se moquer de vous, hein. Il va partir. Il va dire, tu es mon fils, tu es mon esclave, tu fais ma volonté, tu as péché mortel, tu m'appartiens, alors qu'est-ce que tu vas me dire, tu vas me chasser, quoi. Tu es mon esclave. Parce que seul Dieu peut chasser les démons. Ils n'ont pas le bon Dieu parce qu'ils sont tournés, le péché mortel, c'est qu'on tourne le dos à Dieu, justement. Donc comment chasser le démon si on est atteint d'un péché mortel? C'est impossible, impossible. Même un prêtre convenable ne fait pas ça, même Jésus ne fait pas, il dit non. Il fait toujours accompagner les guérisons, et les guérisons, mais aussi autres, chasser le démon de la conversion. Même la guérison, parce qu'il dit « ta foi t'a sauvé ». La foi, c'est la première part dans la sainteté. D'abord, on croit, ensuite, puisqu'on croit que c'est Dieu qui parle, on l'écoute, on exécute ses commandements, et ensuite, parce qu'on est faible, on reçoit ses sacrements, ses aides, et puis c'est comme ça qu'on est, alors on demande la persévérance, et c'est comme ça qu'on va au ciel. Foi, commandement, donc moyen de grâce, persévérance, hein, c'est 4 choses avec lesquelles on va au ciel. On va en enfer avec les péchés mortels. C'est en matière grave, plein consentement, plein connaissance et obstination jusqu'à la fin. Alors c'est comme ça qu'on va en enfer. Avec 4 roues on va au ciel, avec 4 roues façon de parler on va en enfer. Donc ici c'est incroyable, c'est magnifique, c'est un court évangile et tous les principes sont là, comment effectuer l'exorcisme, etc. Donc, parce que voilà, donc après Jésus explique,
avec cette explication du plus fort et du moins fort, eh bien, le seul, je viens de dire, qui est plus fort que le démon, c'est Dieu. Parce que c'est un être supérieur. L'ange est un être supérieur. Le démon, c'est un ange déchu, mais il n'a pas perdu sa nature angélique. Donc sa nature angélique est plus haute, plus forte, plus intelligente, elle a plus de force de volonté, plus d'influence que la nature humaine. Et c'est par la grâce qu'on est plus fort, parce qu'on va, régner sur les esprits, sur les anges, les tuteurs saints. Bien sûr, en tant qu'enfant de Dieu, par la grâce, par Dieu, avec Dieu, rempli de Saint-Esprit, n'est-ce pas? En tant que temple de Saint-Esprit, on règne sur les démons. Le prêtre, on va même chasser le démon, n'est-ce pas? On va commander les anges. C'est l'exorcisme, c'est commander les anges. Voilà, donc c'est clair, les principes sont clairs. Donc pour nous, c'est important pour se débarrasser des démons, et des démons très forts actuellement de la société, n'est-ce pas? Parce que les gens font des pratiques comme le Reiki, n'est-ce pas? Qui est absolument, c'est se mettre sous un démon, c'est s'attacher à un démon. Le Reiki, l'initiation au Reiki, c'est, entre autres, essentiellement se faire attribuer un démon. Donc, il y a plein de pratiques comme ça, n'est-ce pas, qui sont diaboliques. Et le spiritisme, qui est déjà très ancien, malheureusement, qui met les gens qui peuvent faire en sorte que les gens deviennent possédés. Alors, donc, la première chose à faire, c'est exorciser l'âme, se mettre en état de grâce. Ça, c'est fondamental. Et avec Dieu, tout est possible. Faites-vous aider par un prêtre ou sans prêtre, parce qu'on peut se mettre à la grâce par un acte de contrition parfait, mais en tout cas, il faut se faire baptiser ou bien confesser, c'est obligatoire. Encore, il faut trouver Dieu un bon prêtre, mais c'est possible, hein, ça dépend des gens aussi. Hein. Jésus dit, priez pour qu'il y ait des ouvriers dans la ville. S'il y a peu de prêtres, c'est que les gens qu'on parle, c'est prier, c'est évident. C'est pas Dieu qui se trompe. C'est les hommes qui font n'importe quoi. Donc, s'il y a peu de prêtres, c'est qu'ils méritent. C'est que les gens le méritent ou ne méritent pas par des actions. Dieu donne la grâce suffisante pour tout le monde parler au ciel. Normalement, on est ici dans une. Enfin, vous voyez ce qui se passe. C'est à cause des péchés. Hein. Mais disons, pour les hommes de bonne volonté, on cherche, on trouve des prêtres qui sont en ordre, qui ne sont pas. Malheureusement, pas encore grande quantité, mais on trouvera des prêtres pour vous faire aider. Et si elle est convenable, le prêtre, il va vous d'abord mettre en état de grâce avant de faire quelque chose. D'abord, il se donne l'âme, et ensuite le corps. Parce qu'il n'a pas autrement. Jésus lui-même, ce n'est pas possible. Si l'âme n'est pas à l'intérieur du corps, c'est l'âme, n'est-ce pas? S'il n'y a pas un plus fort, ils vont venir et ce sera pire que le début. Donc il faut pas, il faut en rendre un mauvais service à quelqu'un en faisant un exorcisme s'il ne met pas en ordre. Parce que sa situation va devenir pire. C'est marqué ici par Jésus-Christ lui-même. Voilà, donc c'est en résumé le sermon d'aujourd'hui, n'est-ce pas? L'évangile. Le plus important qu'il faut savoir, c'est que voilà, soit Dieu plus fort que les démons, que nous devons absolument vaincre les démons, absolument, et que voilà, il faut se mettre avec Dieu. Donc il faut se mettre en état de grâce et développer l'état de grâce. C'est la sainteté, n'est-ce pas? Donc tendre à la sainteté c'est l'état de grâce. On aura la place dans le ciel qui correspond à l'état de grâce au moment de la mort. Donc à la quantité, l'intensité de l'amour de Dieu. C'est elle qui décide de l'éternité. Donc il faut toujours faire en sorte de se mettre en état de grâce, toujours, et de développer l'état de grâce. Et si on perd, on se met le plus vite possible en état de grâce. C'est très important parce qu'il y a trop d'influences démoniaques dans le monde. Et si on n'est pas en état de grâce, on est sans défense. Ouais, parce qu'il n'y a pas un plus fort à l'intérieur. C'est très dangereux, n'est-ce pas? Donc, soyons avertis. Dans ce temps de carême, l'Église explique le combat spirituel en vue de participer à la grâce de la rédemption qui nous a donné
avec les mystères de la semaine sainte. Demandons à la Sainte Vierge, n'est-ce pas, qui est honorée par l'Évangile, indirectement, parce qu'il y a une femme qui dit « Bienheureux votre mère », et il dit « Oui, mais encore plus bienheureux ceux qui écoutent le verbe, la parole de Dieu et l'exécutent, et la gardent. » Eh bien, c'est une éloge indirecte de sa mère, parce que la mère, comme personne d'autre, a écouté la parole de Dieu et l'a accomplie. C'est ça. Donc, il semble humilier sa mère, mais en réalité, il l'exalte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in un Dio, un Padre onnipotente, un Factore in cielo e terra, visibile uomo ed invisibile uomo. Et non, Domine Jésus Christ, mon fils, mon unigène, ton mère, expatrié, l'enfant, tu en es assis pour là. Léon de Dieu, le même Dieu, le Dieu, en fils de Dieu, au Véro. J'ai dit ton nom, facteur, en substance, si à la patrie, perché mon mien, facteur, sens. Puis, porter, non, sans mille, c'est porter, non, stam, salut, et du Seigneur, du Cévis. Et incarnatus, et suspect de Sainte Ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus est sacrément de ce pontifio Pilato, passe si putus est. Et tu es une existencia di esse gram scripturas. Et ascendit in celum, sedet dextram patis. Et dit non ventures est convodia, ludicare vivus et mortuos cruus, regnum in finis. Et in spiritum sanctum dominum et vivificantem. Qui expate filio quae procedit. Qui contare filio simul adoratur et conglorificatur. Qui locutus et per prophetas. Et unam, sanctam, catholicam, et apostolicam ecclesiam, confite omni baptisme et remissione peccatorum, et expecte resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculis. Amen. Dominus obiscum. Oremus. Justitiae Domini recte justificantes corda et judicia eius dulciora super me et favum, nam et servus tuus custoditea. Thank you.
chanter les phrases, mais c'est pour ça que je ne fais pas les plus de ça. Ce j'ai pu adorer, ça fait que tu es devenu de ce que ça doit être le meilleur nom de ce qui est à tout état d'un groupe de notre entourage, soit écrasé, soit sans. Per ogni la secola, secolo Roma. Domino Sobiscum. Sur son corda. Grazie, Gamus, Domino Dio nostro. Vergne, e tu semestre, come salutare i nostri di Santa Luz, grazie, d'Angeli. Domine Sancte, Padre, di potenza te le Dios. Qui corporali ogni odissa, complemi spente, me le maschi tutte, magil premia, per Cristo, Domino nostro. Per quella maestate un trombo ad antaggi ad ora dominazione se tre un potestates. Cili, ciunque, virtù, zegueata, serafim, sorge in rotazione con celebrante. Con cui vi posso svolces, ut admitiu le adebe camu, le subici confessione licentes. Sanctus, 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 dominus, sanctus, sanctus, penis in cieli et terra gloria tua, osanna in excelsis. Benedictus qui vieni in nomine Domini, osanna in excelsis.
discours que Peccato Libo sempre. Per ogni secolo, secolo, vorremmo percepire sulla terra di questo momento e divina istituzione formati di musicere. Padre nostro, che in cielo sia sanctificato il nome tuo, advenga il regno tuo, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Padre nostro, quotidiano della nostra vita, e dimitte la nostra vita nostra, sicut in nos dimittimus debitori di vos nostres. Et non si becas in tentazione. Sì, per ogni secolo, secolo, ma pax amini si sempre vobiscum. Et in spiritu tu. Agnus executoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus executoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus executoris peccata mundi, terra nobis pacem. Domine non son dignos. Domine non son dignos. Domine non son dignos.
Passer invisibilum et tout unibum ubi pona pulo solos, altaria tua domine virtutum rex meus et deus meus, beati qui habitant in domo tua in seculum seculi laudabunt te. Dominus vobiscum. Oremus. Acumtis nos crescimus Domine reatibus et periculis propitiatus absolve, constanti mysterii etibus esse participes. Perdona nos mismus supplium tuum, pite convivit eternitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, vitae missa est. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi Domine. In principio et verbum et verbum ad apodem et Deus et verbum, hoc et principio ad apodem omnia peritum facta sunt, et si in ipso factum est, nihil quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux sentire vis luce, et tenebre non comprehenderunt. Fuit homum missus ad Deo cum in nomine Iohannes, Ik vind een testimonium, een testimonium per iberet, de illuminium tomes cederet per illum. Non erat ille lux et testimonium per iberet illumine. Erat lux vela que illumat omne homine vendem nec mondum. In mondo erat et mondus per ipsum factus et secundus evangelii. In propria venite tu sui non receperunt, quod vel receperunt de me dede dex plesare filos dei fieri. Et sui quidunt in nomine eius cum ex sanguinibus, nec virultate carnis, nec virultate viri, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis et vinum dona meus, gloriam praesenti et a patrem gratiam veritatis. Ave Maria, gratia plena dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, Salve Regina, Madre Misericordia, vita uccedis per nostra salve. A te sospiramus, gementes et flentes in acclamarum, vale. Et Iesum benedictum fructum ventris tui nobis, posso che si rimostende. Ora per nobis sancta Dei genetix, oremus esse fortum nostrum et virtus, Problema declamante propitius respice, et intercedente gloriosa et immaculata Virgine Dei Genitrice Maria, cum beato grosso Deus Pontificus, grazia postis tui spiritu et proprio limo sanctis, quas pro confessione peccatorum, pro libertatis et lationes sancte mars, grege pesce de fundemus, misericors et benus exaudi, pronuncis mirabile nostra. Amen. Sancte Mica, Cagli de Fendem, Clero, Conte Cristo, Messidia, Deus et Presidium, Impretire Deus subisibile carmo, tu que principe celeste satos escutus marinos, que benedizione madre mater regam tuli mundo, divina virtut in inferum detrude. Amen. Curios gratissimum.
On prend le, l'antienne de la de cette période liturgique, c'est Ave Regina Caelorum, page 175, numéro 133. 133. Ave Regina Caelorum, Ave Domina Angelorum, Salve Ave, Salve Porta, Ex qua mundo lux est orta, Gaude Virgo Gloriosa, Super omnes peccatosa, Vale o vade de corpora, Et pro nobis, Christum exsultat.